Voici le Xiaomi MIDI Ultra, un téléphone que je trouve très sympathique à l'œil, surtout avec ce dos transparent. Regardez-moi ça, c'est de toute beauté. Alors, certes, c'est un autocollant, hein, c'est pas vraiment les composants qu'on voit en dessous, mais ça fait quand même son petit effet, surtout qu'on voit où est par exemple la puce, du moins le, le module pour la recharge sans fil, la puce NFC, etc., etc. On a ici un téléphone avec un bon gabarit que je comparais par exemple à un Huawei P40 Pro Plus. Donc, c'est un téléphone qui est assez épais, qui est assez lourd, mais qu'on peut bien tenir en main. Alors, si on veut utiliser par exemple tout l'écran, par contre, euh, bah, il faut le prendre à deux mains, c'est beaucoup mieux. L'appareil photo est vraiment dingue, la qualité vidéo est franchement dingue aussi, l'écran est top. Alors le son, comme je le dis toujours, euh, c'est vraiment pour dépanner hein, au niveau du téléphone. Si vous avez une enceinte Bluetooth ou un casque audio. Bah je vous conseillerais d'utiliser cette solution. La surcouche est très bonne, le téléphone est très agréable à utiliser, très fluide, surtout avec le 120 Hertz. J'ai eu aucun bug, j'ai eu aucun lag. Mais pourquoi est-ce qu'il est frustrant ce téléphone En fait c'est parce que je n'ai qu'une surcouche euh, chinoise, il ne sort qu'en Chine pour l'instant, Xiaomi n'a pas décidé de le sortir en Europe et c'est franchement dommage, donc on n'a que la langue anglaise ou chinoise. Et c'est dommage parce que ce téléphone, je pense qu'en Europe il aura pu faire fureur. Je vais vous dire pourquoi on se retrouve tout de suite sur le téléphone. Nous voici donc sur le téléphone. Alors pour tout ce qui est des caractéristiques, je vais vous l'afficher là. Hein. Je vais pas tous les énumérer parce que déjà je perds du temps et c'est pas ce qui est de plus intéressant. Je vous laisserai faire pause pour voir tout ce qui propose en termes de caractéristiques. Alors au niveau du design, alors comme je le dis à chaque fois, c'est les goûts et les couleurs. Moi, je le trouve franchement très sympathique, surtout avec ce dos transparent. Ça change beaucoup des téléphones. C'est seulement Xiaomi, je crois, qui propose ce genre de modèle avec un autocollant qui permet de voir où sont les pièces. Ça fait quand même son petit effet, même si je pense que j'aurais préféré la version argent avec le vert dépoli. Là, j'ai toujours pas testé de smartphone avec un vert dépoli et j'aimerais beaucoup. Mais voilà, avec ce, euh, ces, ces contours en noir, avec un noir vraiment très profond. Alors, brillant, mais ça rend vraiment le téléphone très classe, je trouve. Au niveau de l'écran, les bordures sont vraiment très fines. Alors on va prendre une page blanche, voilà. Donc des bordures qui sont quasi inexistantes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le poisson est assez petit. Bon, il y a quand même un poinçon présent sur l'écran, mais il n'est pas non plus dérangeant, quoi. Alors la dernière chose, c'est au niveau du module photo, voilà, qui n'est pas non plus trop gros. Hein, c'est pas non plus le module photo du Huawei P40 Pro Plus qui était juste énorme. On se rapproche plus de ce qui avec le Puff Index 2 Pro, euh, ce qui fait qu'au niveau de l'ergonomie, on verra après. Hein, c'est pas trop mal. Donc on a des capteurs qui sont assez gros. On a le, le 12-120 mm, hein, donc pour le zoom x 120 qui est vraiment incroyable. On a de nouveau le x 120 qui est écrit ici. Les flashs qui sont là. Donc voilà, c'est pas. Après le dos, c'est pas ce que je regarde le plus. Hein. Normalement, son téléphone, on regarde surtout l'avant. Mais euh, voilà, c'est pas non plus un trop gros module photo. Et euh, ça, ça, ça va bien avec le design, je trouve. Allez, on va passer à l'ergonomie du téléphone. Alors, on va commencer du coup par ce capteur photo, hein, puisqu'on on y vient. Alors, comme il est pas trop gros, moi je le prends de la main droite et en général, je le prends bien comme ça. Et, du coup, je, je ne suis pas dessus. Ça c'est plutôt cool. Par contre, si vous êtes gaucher et que vous le prenez de la même manière, là par contre, on tombe sur le, les capteurs photo. et du coup, on, va, on peut les salir, c'est assez dommage. Donc voilà, il va falloir du coup rabaisser le doigt en dessous le capteur pour le prendre. Moi, ça me dérange un peu, je préfère quand il est posé plus haut. Je le trouve que c'est plus confortable. Après, voilà, chacun, chacun le prend comme il le veut. Mais voilà, c'est quand même à notifier. Alors, l'épaisseur de l'appareil photo n'est pas non plus énorme, c'est pas non plus euh, le capteur photo qui dépasse le plus euh, de ce que j'ai pu voir, mais euh, ça n'empêche que si on le pose, et combien voilà, ça, ça va venir ça va venir bouger, bien entendu, si on veut pas que ça bouge, on peut mettre la coque qui est fournie avec. Tac Et du coup, lorsqu'on va venir appuyer dessus, voilà, ça bougera beaucoup moins. Au niveau des boutons, celui on-off, verrouillé déverrouillé, est très bien placé, il tombe tout De suite en dessous le pouce pour le volume, alors pour le pouce, c'est beaucoup trop compliqué. À la limite, on peut atteindre le volume moins, mais si on va atteindre le volume plus ou euh, avoir le volume moins de façon confortable, il faudra euh, soit déplacer le téléphone sur sa main pour venir les chercher, ou alors utiliser euh, l'index ou euh, l'autre main pour venir changer euh, le volume. Au niveau du haut-parleur, il est situé en bas à gauche, ce qui est pour moi un petit souci. Pourquoi Parce que quand je viens tourner mon téléphone pour le mettre en mode paysage, en général, je le tourne comme ça. Ce qui fait que je viens boucher ici. Donc, si je ne veux pas boucher le haut-parleur, il faut que je vienne le tourner dans ce sens-là pour euh, qu'il soit libre. Le truc, c'est qu'en haut, on n'a pas de haut-parleur comme sur le Mi 10 et le Mi 10 Pro. Il est incrusté ici et c'est un haut-parleur qui est beaucoup moins puissant. Ça, c'est dommage. On verra ça sur la partie euh, utilisation au quotidien. Sur le côté gauche, on n'a pas grand-chose. Donc, il n'y a rien à dire. En haut, pareil, on n'a pas grand-chose. En bas, on a aussi la prise USB. On a le tiroir SIM. Pas de prise jack sur ce téléphone et enfin au niveau de l'épaisseur et du poids donc c'est un téléphone qui se rapproche beaucoup en termes de gabarit du Huawei P40 Pro Plus donc voilà si on le tient c'est c'est pas un téléphone qui est non plus euh, très fin hein. euh, on est au delà des 9 mm d'épaisseur donc ça se sent moi je préfère je préférerais avoir un téléphone plus fin même si Bon, on peut euh, avoir l'impression que ça, ça fait un téléphone robuste, solide, bien que je ne le ferai pas tomber. Et au niveau du poids, donc voilà, on est à, à peu près à 220 grammes il me semble. Ce qui fait que si on vient le tenir à bout de doigts comme ça, lorsqu'on est dans le lit et qu'on regarde une vidéo ou qu'on prend une photo selfie, eh bien euh, ça commence à peser au niveau des doigts et surtout au niveau de l'avant-bras. Et ça peut fatiguer très vite. Donc voilà, si on le tient à une main, on le tient bien à une main comme ça, ça va, à deux mains ça va aussi. C'est vraiment si on vient prendre le bout du téléphone avec euh, le bout des doigts, et là ça, ça commence à... On, on ressent le poids quoi. On va maintenant passer à l'interface et à l'OS, donc Android 10 avec MIUI 12, qui est très cool. Alors la surcouche Xiaomi est très très euh, dynamique, très animée et très colorée. On le voit directement avec les nouveaux wallpapers qu'ils ont mis c'est très animé. Hein. Si je viens déverrouiller, hop, on, au niveau de la planète, voilà, ça bouge. On vient zoomer sur la planète, sur les anneaux de, je crois que c'est Saturne. Donc, c'est vraiment très animé. Pareil, quand on bouge derrière, ça bouge. C'est au niveau des applications aussi, lorsqu'on vient les supprimer. Par exemple, si je viens supprimer, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux supprimer là euh, Par exemple, euh, Amazon, euh, hop, si je viens. Le désinstaller, hop, ça explose. Les autres, viennent, euh, les autres icônes viennent bouger. Donc voilà, c'est très très animé. Hein. C'est pareil, par exemple, au niveau des paramètres, lorsque je vais sur My Device, on a euh, voilà, une petite animation au niveau du storage. Si on vient pencher le téléphone, et eh bien, euh, la jauge, voilà, euh, va sur le côté. Voilà, c'est très très animé. Pareil, c'est au niveau de la Wi-Fi, par exemple, où on vient entourer avec un gros cadre bleu la Wi-Fi qui a été sectionnée. Euh, au niveau du display, par exemple, et du fresh rate, voilà, on a une petite animation, c'est plutôt cool, voilà, c'est très très animé, au niveau de la navigation, c'est très classique, hein. si je viens sur une appli, par exemple ici, si je fais un retour en arrière, je fais un slide de la gauche vers la droite, ou l'inverse, si je veux retourner sur euh, bah, l'écran d'accueil, je fais un slide du haut vers le bas, pour le multitâche, je viens slider vers le haut, et je reste appuyé, et c'est là, euh, pour le coup, l'un des meilleurs multitâches, du moins, le... oui, c'est le multitâche qui est le meilleur pour moi avec quasiment quatre écrans affichés. Ça, c'est franchement trop cool. C'est vraiment le meilleur multitâche en termes de, de, de surcouche. J'aimerais bien qu'Android, euh, Stock ou euh, toutes les autres surcouches prennent exemple sur celle de Xiaomi qui est pour moi vraiment excellente. Évidemment, si on veut revenir sur une appli, on a juste à appuyer et on revient sur l'appli. Et pour naviguer d'application en application, on a aussi le slide voilà, sur la petite barre ici qui permet tout simplement euh, bah, de naviguer euh, d'application en application. On a le classique tiroir euh, de notification où on peut venir directement répondre hop, en appuyant euh, sur euh, la notification. On peut slider vers la gauche pour euh, tout simplement supprimer les notifs. Et on peut venir slider sur la gauche. Donc avant c'était sur la droite. Et euh, voir des paramètres pour soit arrêter les notifications ou alors on peut euh, tout simplement faire more setting pour euh, venir paramétrer tout ça. On peut bien entendu personnaliser l'interface avec par exemple en, en rajoutant des widgets. Hop, alors je vais revenir. Est-ce que je peux revenir? Voilà. Donc je disais personnaliser en rajoutant des widgets ici. On peut personnaliser en euh, changeant les effets de transition entre les différentes pages, euh, le nombre d'applications que vous veux afficher. Euh, sur l'écran, voilà. On a plein d'autres choses. On peut venir personnaliser aussi euh, bah, les, les icônes. Hein. Alors, on a un système de multitâche qui est sympa. Donc, soit on peut venir euh, mettre une, une application flottante, par exemple, euh, qu'est-ce que je vais mettre euh, YouTube Studio, hop, et je peux naviguer dans mon interface. Alors, voilà, je l'ai fermé évidemment. Hop, Floating, YouTube Studio. Donc, je peux venir déplacer l'appli à chaque fois que je me plante. Alors, on peut venir appuyer là. Donc, en appuyant sur la barre du haut, on peut venir. Déplacer l'application, on peut soit la mettre en grand écran en slidant vers le bas ou la mettre euh, la fermer tout simplement en slidant vers le haut. On peut utiliser le téléphone derrière par exemple si je veux prendre des notes sur euh, ce que je vois sur l'application et eh bien on peut le faire. Hop, je viens cliquer sur la note et on, on vient on vient prendre ses notes tout simplement. Sinon on a le multitâche classique, donc on pourrait voilà, on peut réduire si jamais on a besoin, on vient slider vers le haut pour l'enlever. Et on a le multage classique hein, avec deux écrans. Par exemple, je reste appuyé ici, je tape sur cette icône là, je mets YouTube Studio en dessous. Et on peut euh, tout simplement euh, voilà, slider du haut vers le bas pour agrandir ou non euh, bah, les, euh, les, euh, les, les applications. Par contre, on ne peut pas avoir d'autres options. Hein. Si je reste appuyé, je n'ai pas d'autres options. On ne peut pas intervertir les pages. Ça, c'est dommage. Et si on veut euh, tout simplement euh, garder qu'une seule application, on vient slider tout en haut, soit tout en bas. Et on garde l'application qui nous intéresse. On a une page sur la gauche. Alors, j'ai pas tout compris. C'est un sorte de Google. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Mais on a les dernières applications utilisées. Euh, et ensuite, je ne sais pas trop. Je pense que c'est des widgets. Euh, des, des sortes de tuiles, mais euh, voilà, comme il y a beaucoup d'anglais et euh, pas mal, il y a quelques chinois aussi, quelques euh, trucs en chinois, je ne peux tout simplement pas vous dire à quoi ça sert, euh, telle ou telle chose, mais euh, voilà, je me suis servi de ça pour les dernières applications utilisées. Alors, au niveau des settings, euh, petit point négatif, alors on a le fresh rate, donc on a le choix entre le 60 et le 120 Hz, bien que si on met le 120, euh, il va automatiquement basculer en 90 ou 60 Hz suivant les applications qui utilisent ou non euh, des taux de rafraîchissement élevés. Et on a le mode dark qui est euh, un peu bizarre parce que quand on l'active, en fait, il va l'activer pour quasiment toutes les applications même si elles n'ont pas le mode dark. Ce qui fait qu'il faut trier application par application, celle qu'on veut afficher ou non, euh, le mode dark ou pas. Et certaines applications gèrent pas du tout le mode dark, ce qui fait qu'on voit pas certaines, certains textes tout simplement parce que c'est du gris sur du noir ou du noir sur du noir. Donc voilà, désactiver toutes les applications qui posent souci. Euh, faites très attention à ça, donc pour, rien que pour ça, bah, j'ai pas forcément utilisé le mode dark alors que d'habitude je le mets euh, automatiquement. Alors ce qui est pas mal aussi c'est le screen time, comme d'habitude, hein, on peut voir tout simplement le temps qu'on passe sur le téléphone avec telle ou telle application que l'on utilise le plus souvent, et on peut activer un mode qui permet de bloquer le téléphone ou certaines applications pour éviter de passer trop de temps dessus. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur l'interface LOS euh, au niveau de MUI12. Donc une interface qui est franchement très sympathique, qui est agréable à utiliser au quotidien. Sachant que pour l'utilisation au quotidien, euh, transition parfaite, euh, l'écran est vraiment très bon, très joli, très, très bien coloré, très lumineux. Alors comme d'habitude je vais vous mettre une vidéo en 4K et une vidéo où on va, on va commencer d'ailleurs avec le son pour montrer un peu ça. Alors on va commencer par le son vu que j'ai la vidéo euh, sous la main. Je vais vous montrer que le haut-parleur du bas est beaucoup plus puissant et qualitatif que celui du haut.

Voilà, je sais pas si le micro, aura... le micro aura bien capté la chose, mais voilà, il y a un haut-parleur qui est beaucoup plus puissant et qualitatif que l'autre. On va passer sur une vidéo 4K, comme d'habitude, euh, en HDR. Toujours la même Costa Rica. Alors, on est bien en 1080p, 60 images par seconde HDR. Et voilà, on va apprécier tout simplement ces belles images. Alors, c'est toujours compliqué de se rendre compte de la qualité d'un écran à travers un appareil photo, mais c'est comme le Oppo x 2 Pro et le Huawei P40 Pro Plus. Hein. C'est vraiment un écran excellent, vraiment très beau HDR et 10 bit. Voilà, c'est vraiment, vraiment beau quoi. Alors en termes de fluidité, de bug ou de lag, bah j'ai rien à dire. C'est très fluide. Le 120 Hz aide beaucoup aussi pour euh, tout ce qui est euh, fluidité d'animation, etc., etc. Et euh, bah, euh, j'ai pas rencontré de lag sur ce téléphone, ni de bug. Franchement, ces, ces dernières euh, années, Android est devenu un OS qui est très stable et très fluide est largement comparable à ce que l'on trouve sur iOS. Maintenant, on va passer sur la partie photo et vidéo. Et avant de vous dévoiler des images et des vidéos que j'ai enregistrées, je vais tout simplement vous montrer euh, l'application photo. Alors, on a euh, le mode photo. On va d'abord euh, passer tout ce qui est euh, au niveau réglage possible. Alors, on a ici la petite tirette et le mode setting. Permet d'avoir des réglages euh, classiques auxquels, en fait, on ne touche pas très souvent. Il y en a un qui est très intéressant c'est le euh, press and hold shutter button. C'est quoi en fait C'est tout simplement lorsqu'on va rester appuyé sur le bouton pour prendre la photo, on a trois choix possibles. Soit faire le focus, soit faire un mode rafale, soit enregistrer une vidéo. Ça c'est franchement cool et ça peut être très pratique. Donc on peut régler la qualité d'image, euh, le format, euh, le QR code, si on peut les scanner ou non, euh, mettre un watermark, etc. etc. Euh, voilà, c'est des choses qu'en général on règle une fois et ensuite on n'y retouche plus. Donc ça c'est plutôt pas mal de les avoir mis là. Et du coup ce à quoi on peut toucher souvent, eh ben, c'est tout simplement le format de photo, entre le format carré, euh, le format classique euh, 4 tiers, le format 16 neuvième ou le format tout écran, le retardateur, entre 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes ou rien du tout. On a le mode Movie Frame qui est tout simplement le mode 21 9 On peut mettre les grilles ou non. Alors le straight then là, c'est euh, en fait un, une jauge qui permet de savoir si on prend une photo droite ou si elle va être penchée. Donc ça c'est plutôt euh, cool. On a hop un mode macro. On a le tilt shift qui est tout simplement une zone de flou voilà qui se trouve euh, au niveau des bordures de la photo, soit en rond soit en ligne. Donc à vous de choisir. C'est présent, c'est quand même cool. Et un time burst shot qui est tout simplement un mode rafale de photos. Sur le capteur arrière, on a accès à l'ultra grand angle, le grand angle. Et enfin, on a le mode x5. Alors, x5 qui n'est pas non plus le seul, euh, le seul zoom pratique. Ce qui est dommage qu'il faut appuyer dessus pour avoir le zoom x2 qui peut être très intéressant. Et le zoom x10 qui peut être très intéressant aussi. Et on peut aller jusqu'au mode x120. Alors, ce qui est bien c'est quand on zoome, on a accès à une petite image en haut avec un petit cadre qui nous montre ce qu'on vise. Par contre, bon, la qualité photo n'est pas exceptionnelle, mais ça reste toujours impressionnant. Tout de même. Au niveau des réglages, euh, on a le flash aussi que l'on peut mettre en automatique, soit lorsqu'on prend une photo, euh, lorsqu'on veut forcer ou tout simplement on le met constamment. On a le, aussi le mode HDR que l'on peut désactiver, activer ou le mettre en automatique. On a le mode euh, IA, alors j'ai pas vu de différence personnellement, mais voilà, bon, je le laisse activer. On a le mode Dynamic Shot tout simplement qui permet de prendre une photo en mouvement. Et un mode Body qui est assez sympathique. Pourquoi Parce qu'on a les filtres classiques de couleur. Voilà, ça, donc, tout le monde connaît. On a le mode Body avec le mode Smooth qui permet de lisser surtout le visage. Mais on a aussi un mode Body qui permet tout simplement de, euh, de réduire ou d'agrandir la, la taille du corps. Euh, alors là, c'est euh, celle des jambes. On a celle de la tête, celle de la taille. Et euh, on a les épaules aussi. Et euh, lorsqu'on passe sur euh, la caméra avant... Là, c'est au niveau du visage surtout. Euh, on a euh, par exemple les yeux, le nez, le menton. Et ça marche extrêmement bien. Hein. Si vous regardez bien. Vous voyez, hein, au niveau du menton, là, je... il est très bas. Et si je vais sur la gauche, je vais le remonter. C'est assez léger. Hein. Je ne sais pas si vous vous en rendre compte sur l'appareil photo. On va voir au niveau du nez. Ouais, je ne sais pas si vous vous rendez compte aussi, mais il s'agrandit ou euh, il s'élargit ou rétrécit. On va voir au niveau de la bouche, des lèvres en tout cas. Voilà ouais, pareil. Hein. Je ne sais vraiment pas si vous allez vous en rendre compte, mais c'est quand même impressionnant qu'il arrive à détecter toutes les parties du visage, euh, entre le nez, le menton, les yeux, la bouche. C'est franchement euh, impressionnant. On a plein de modes. Donc, le mode pro, comme d'habitude, qui est présent sur quasiment tous les téléphones, où on peut gérer manuellement la balance des blancs, l'autofocus, l'obturation, les ISO, etc. Le mode vidéo classique, mode photo classique. Le mode portrait, là aussi maintenant classique. Le mode nuit, encore là, classique. Le mode slow motion, encore là, classique. Donc voilà, euh, tout un tas de modes qui est présent et on a juste en dessous si on slide le mode 48 mégapixels, short vidéo, panorama, document vlog time lives, front and back, high watermark, long exposure, super moon euh, sticker, avant euh, avatar, pardon, et clone et on peut venir éditer les raccourcis si jamais il y en a qui nous intéressent qu'on veut mettre absolument dans la barre ou certains ne nous intéressent pas et on veut les enlever et les mettre en Dessous en hein, More feature, alors le mode qui peut être intéressant pour les vloggers, c'est le front and back qui permet tout simplement de sectionner euh, les caméras qui nous intéressent, par exemple l'ultra grand angle et la front caméra. Et on peut venir filmer, voilà, avec soit euh, en grand bah, nous et on bah on filme derrière en petit écran euh, ce qui nous intéresse, ou on peut faire soit égal égal en termes de format, ou oupla, faire l'inverse. Par exemple, mettre celui-ci en grand et euh, voilà, mettre nous euh, en haut à gauche, ce qui est vraiment pas mal pour euh, si, si on veut vlogger en fait. On va faire un tour au niveau du mode vidéo que j'utilise beaucoup et qui est très intéressant aussi. Euh, on a le mode euh, stabilisation euh, classique qui crop dans l'image, mais qui va permettre de stabiliser l'image. On aussi un mode euh, Style Video Pro qui ne croppe pas. Je vous laisserai euh, lors des... lorsque je vais mettre euh, les, les différentes vidéos que j'ai prises voir si vous voyez une différence ou non. On a le mode 8K, voilà, qui est présent, ce n'est pas non plus la folie, hein. je ne sais pas qui a des écrans 8K ou des téléphones 8K pour en profiter, euh, je pense pas grand monde, et on a un mode beauty avec bah, des filtres, euh, le mode beauty pour, pour lisser les visages, et un mode Bokeh euh, que je déconseille quand même. Et enfin, quelque chose que je regarde beaucoup, c'est les formats différents. Alors, on a l'accès à ultra grand angle, le grand angle et le x5, par contre, euh, voilà, si on rappuie dessus... On peut accéder au x2, au x10, et on peut aller jusqu'au x15, pardon, pour venir filmer. Alors, le truc étant, hop, je vais, je vais venir enlever ça. On peut le faire que en mode beauté, vous voyez, hein Donc, il faut activer ici, le mode beauté, et là, on va pouvoir venir zoomer ou non. Euh, si on le désactive, hein, je vais vous montrer, hop, je vais remettre, tac, le x10. Si on vient désactiver, on reste en x10, mais si on vient réappuyer, on reste en x5, et on peut pas, on peut pas changer quoi, ça c'est dommage, je ne sais pas pourquoi, mais bon, euh, une petite astuce pour aller en x10 du coup. Et le truc c'est que l'ultra grand angle est accessible seulement au 4K 30fps, 1080p 60 fps, 1080p 30fps et 720p 30 fps. Par contre, bah on ne peut pas utiliser le 4K 60fps pour l'ultra grand angle, même si on vient le sectionner, hop, voilà là, qu'on revient en ultra grand angle, il sera en 4K 30fps. Euh, par contre, je ne sais pas pourquoi on peut filmer en x5 en 4K 60 fps. Pourquoi seulement l'ultra grand angle n'est pas compatible avec que 4K 60 fps Va falloir m'expliquer, c'est quand même euh, dommage. Parce que c'est quand même euh, moi, un... Moi, euh, l'ultra grand angle m'intéresse beaucoup pour filmer en 4K 30 fps. Alors, on a aussi différents modes, donc les lignes. On a la macro, euh, donc euh, voilà, si on veut euh, faire une vidéo en macro. Et on a le mode tracking, moving, euh, pour le, le, le mode sport, où tout simplement, ça va venir... Euh, on va venir pointer voilà, quelqu'un et il va essayer de faire un suivi. Donc, vous voyez, il suit le point que l'on a sélectionné pour garder euh, le focus sur lui. Hop, on peut venir l'enlever bien entendu. Donc voilà, ça c'est dommage pour l'ultra grand angle en 4K 60fps qui n'est pas dispo. Seul Huawei et Samsung le font il me semble. Et pour l'avant, c'est euh, là aussi dommage parce qu'on a accès qu'au 1080p 30fps. On n'a pas accès ni aux 60fps ni à la 4K. Alors que le, le, le capteur devant est de 20 mégapixels, donc c'était possible. Donc ça c'est dommage. Du coup ce que je vais faire c'est que tout simplement je vous fais défiler euh, tout un tas de photos et de vidéos et je vous laisse vous faire un avis là-dessus. Allez c'est parti. Alors voilà, j'ai fini toutes mes prises de vue en vidéo. Euh, sachez qu'il fait, euh, voilà, vous pouvez peut-être le voir, hein, il fait complètement moche. Donc bon, en plus là j'ai le soleil qui est euh, par là-bas, donc faut que je me tourne là. Euh, merci le véhicule euh, qui est en train de faire euh, son travail. Hein, il ne peut pas faire son travail à un autre moment lui. Enfin bon, euh, du coup j'ai remarqué plusieurs choses. En fait, euh, j'ai vu la différence entre le Steady vidéo et Steady Video pro, qui sont les modes de stabilisation. En fait, faites très attention déjà dans un premier point parce que il y a un recadrage et en fait il y a un décalage lors de vos mouvements. Euh, ça suit pas totalement euh, votre, votre mouvement et euh, vous pouvez louper euh, des, des choses. En fait avec ça si vous, si vous filmez des choses en mouvement je vais vous montrer un exemple c'est pour ça en fait que j'ai loupé un peu le cadrage de c'est des patineurs hein, et j'ai loupé un peu le cadrage euh, et en fait c'est pas que j'ai loupé le cadrage hein, j'avais le, le, la grille et euh, j'avais bien mis en plein milieu euh, les deux patineurs mais en fait comme il y a un décalage en fait ils sont toujours sur le côté ce qui est assez chiant et en fait la différence entre le mode Steady Video et Steady Video Pro c'est que... Euh, dans le Steady Video Pro, il n'y a pas de recadrage. Il n'y a pas de recadrage. Par contre, c'est bloqué en 1080p 30 fps. Donc ce que je pense c'est qu'il doit prendre l'ultra grand angle euh, au niveau des objectifs et faire le crop dessus. Ce qui fait qu'en fait on, on retrouve euh, bah, le, le, le cadrage normal du capteur principal lorsqu'il n'y a pas le steady euh, vidéo. Et euh, par contre il bloque en 1080p 30 fps. Donc euh, voilà, c'est un peu dommage. Alors, je vais faire du coup le petit bilan de ce que je pense des euh, qualités photo et vidéo. Alors, pour moi, les photos déjà sont de super bonne qualité, euh, surtout de jour hein, où c'est vraiment impeccable. Le jusqu'au zoom x10, c'est totalement exploitable, surtout si vous voulez mettre ça sur des réseaux sociaux. Alors, il n'y a aucun souci. Hein, euh, si vous ne faites pas de, de recadrage dans la photo, franchement, c'est euh, de très belles photos jusqu'à x10. Au-delà, ça commence à être quand même compliqué. Mais euh, bon, c'est déjà un x10. C'est euh, fort appréciable quand on veut prendre des photos et se rapprocher euh, de ce que l'on veut prendre en photo sans euh, s'avancer. Donc c'est vraiment très appréciable. L'ultra grand angle est euh, très, de très bonne qualité aussi. Alors par contre, entre l'ultra grand angle, le grand angle et le zoom, on peut voir des différences de couleurs. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas une harmonisation là-dessus. Euh, J'ai essayé le 120. Autant dire que bon. C'est un bruit de pixels, hein. surtout si vous n'utilisez pas de, voilà, de, de, trépied. Voilà. Moi, j'ai pas de trépied pour le téléphone. J'ai j'ai pas de, j'ai des trépieds, mais j'ai pas de quoi mettre un téléphone dessus. Faudrait que je m'en procure un pour faire des tests encore plus poussés. Le mode nuit est très bien aussi, franchement très cool. Bien que, euh, je trouve qu'en en ce moment, avec les, les derniers téléphones que j'ai testés, où ouais, j'étais en train de m'accadrer, eh bien, le, le capteur principal n'a pas forcément besoin du mode nuit. Alors à part si vous êtes en pleine, 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 pleine nuit. On peut voir des différences quand même, mais il fait déjà un très très beau boulot. Et euh, au niveau de la capt captation vidéo, c'est un peu comme la photo. Hein. Si fait beau, ça va être top. Ouais, je commence à avoir mal au bras quand je vous dis que le poids du téléphone euh, commence à peser quand le tenez à bout de doigt. Et euh, quand il commence à faire moche, les, euh, les couleurs sont un peu plus ternes. C'est fou, ça, je suis sur une route, il y a des véhicules, mais c'est incroyable ça. Ah, encore. Ils sont en train de se dire, qu'est-ce qu'il fait ce, ce péglant à cette heure-ci, euh, il travaille pas lui. Maintenant, bah j'ai pas encore trouvé de boulot. Euh, donc calme-toi, ok Donc voilà. Euh, quand il fait moche, les images sont ternes. Quand il fait beau, les images, les couleurs sont superbes. C'est très bien détaillé en 4K. Donc voilà, ça prend de très très belles vidéos aussi. Et euh, du coup, on va continuer euh, bah, sur le test. On se retrouve tout de suite. Alors, au niveau de l'autonomie pour terminer et les performances en jeu. Alors. Euh, au niveau de l'autonomie, j'ai pris des captures d'écran. Où est-ce qu'ils sont Où est-ce qu'ils sont Mais euh, on est sur une autonomie, euh, tout ce qui est de plus classique, euh, c'est-à-dire une journée euh, que l'on peut faire entièrement. Donc débrancher de 9h jusqu'à euh, 20h, heures, 21h, heures sans trop de difficultés, même si on utilise le téléphone à fond. Si on l'utilise pas trop, voilà, on peut euh, tenir euh, plus de 24h. Donc par exemple, sur le screenshot, voilà, j'avais 3h d'écran. Et euh, j'étais à 20h40 euh, du, de stand-by. Alors il faut euh, cumuler les deux pour avoir le temps euh, que j'ai passé avec le téléphone euh, après l'avoir rechargé. Donc là on est à peu près à 24h. Ce qui n'est pas trop mal en soi. Hein. Euh, on, comme je vous l'ai dit, on peut passer la journée tranquillement. Euh, si jamais vous voulez économiser la batterie, euh, vous pouvez descendre en 60 Hz et le bloquer en 60 Hz. Mais euh, en, le truc c'est qu'il se recharge tellement vite. C'est là, là aussi l'un des gros points forts de ce téléphone. C'est qu'en une vingtaine de minutes, moi je le, je le mettais toujours, je le branchais toujours à 20%. En une vingtaine de minutes, il était rechargé à fond. C'est vraiment très impressionnant à chaque fois. On le branche, on fait 2-3 petits trucs et on revient, il est chargé. C'est incroyable euh, à quel point il est rapide en recharge et c'est vraiment un gros point fort. Ce qui fait que l'autonomie, bah, il ne fait pas partie des meilleurs, il ne fait pas partie des pires. Euh, les Google Pixel 4 sont vraiment pires là-dessus, mais euh, le truc c'est que si jamais on a un petit doute, on branche son téléphone, quoi, 10 minutes et on retrouve plus de 50% de batterie. À la limite, allez, on veut le recharger à fond, on le met entre 15 et 20 minutes et voilà, il sera rechargé à fond. C'est vraiment impressionnant, ce qui fait que bah, on est, on est on peut pas tomber à court de batterie en fait. Alors évidemment, il faut ramener son chargeur constamment sur soi, hein, surtout que c'est un sacré bloc, mais ça reste vraiment très impressionnant. Et un très gros point fort. Les performances en jeu sont vraiment euh, bah, ce qui fait de plus classique. Hein, C'est le Snapdragon 865 qui est dessus. Alors, je n'ai pas téléchargé Call of Duty sur celui-ci. Moi, bah, j'ai Pokémon Go. Mais il euh, n'y a aucun souci. Hein. Ça va tourner comme euh, une horloge. Que ce soit du Fortnite, du Call of Duty, du PUBG. Vous n'aurez aucun souci. Surtout que bon, la plupart des, des, des jeux que je vous ai cités utilisent le 90 ou le 120 Hz. Voilà, c'est vraiment ultra fluide. Hein. Vous pouvez voir au niveau des animations. Alors, je ne sais pas, je... non, vous ne verrez pas à travers l'appareil le... <laughs> le, le, photo. Parce que c'est du 30 fps maximum sur cet appareil. Mais c'est vraiment très fluide. C'est très rapide. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus. Euh, c'est euh, du coup la vie finale. Voilà, je, je, je vous livre euh, ma petite conclusion sur ce téléphone. Il est top. Il a un très bel écran, magnifique. Euh, très grand, certes, donc vaut mieux l'utiliser à deux mains. Une main, c'est compliqué, mais du coup, pour consommer du contenu, c'est terrible. En termes de design, voilà, c'est les goûts et les couleurs. Moi, je le trouve très beau. Il prend de très belles photos, il prend de très belles vidéos. Bien que ça soit dommage que pour euh, le capteur avant, on n'ait pas accès à euh, au-delà du 1080p 30fps et qu'à l'arrière, l'ultra grand angle bah, n'est pas compatible avec le 4K 60fps. En termes de haut-parleur, alors ça dépanne mais je vous conseille toujours d'utiliser un casque ou une enceinte Bluetooth. L'interface est très agréable, UMI MIUI 12 est très bon en termes de surcouche, j'ai adoré l'utiliser. niveau de l'ergonomie, il y a des choses qui peuvent être mieux, notamment ces boutons volume, s'ils étaient de l'autre côté atteignables avec l'index, ça aurait été mieux. Euh, un téléphone un peu plus fin, ça aurait été plus agréable et surtout moins lourd lorsque je veux prendre des photos comme ceci ou lorsque je regarde du contenu dans mon lit ou, dans... ou lorsque je suis assis et que je le tienne comme ça, voilà pour éviter de m'épuiser trop rapidement. Ce qui est dommage, c'est qu'il reste frustrant par deux aspects. Euh, surtout, un, hein, en fait, c'est une globalité, c'est qu'il n'est pas vendu en Europe, ce qui fait qu'on n'a pas de langue française dessus, seulement le chinois ou l'anglais. Et euh, ça peut être un gros frein pour beaucoup de personnes. Moi, l'anglais ne m'a pas dérangé plus que ça, donc c'est cool. Mais euh, voilà, c'est dommage qu'il ne soit pas en français, qu'il ne sorte pas en Europe. Euh, je ne sais pas pourquoi Xiaomi ne sort pas en Europe. Je pense qu'il aurait pu faire fureur. Il y a aussi le petit souci, voilà, du, du haut-parleur qui est mal placé pour moi. Ce n'est pas un bon emplacement ici. Il faudrait inverser avec les tiroirs SIM. De sorte que lorsque je vais le tourner dans ce sens-là, hein, parce que je tourne toujours dans ce sens-là, bah, je ne bouge pas le haut-parleur qui est là. Ça, c'est quand même dommage. Mais après, voilà, ça reste un téléphone qui est excellent et très agréable à utiliser. C'est euh, un très, très bon smartphone. Alors... C'est pas le téléphone Android que je préfère pour l'instant. Euh, eh bien, ça reste le Huawei P40 Pro Plus que j'ai préféré utiliser. Euh, je mettrai le Oppo et le Xiaomi à ex -echo. Pourquoi Parce que le Oppo, je le trouve plus agréable à prendre en main, surtout avec son dos cuir. Et je trouve l'interface vraiment pas mal et peut-être un poil meilleur. Je préfère un, un poil Color OS 7 que Xiaomi, que le Mi -Y 12. Mais celui-ci prend de plus belles photos et de plus belles vidéos, je trouve. Donc, euh, voilà, je mettrai les deux avec Zeko. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur ce téléphone dans les commentaires. Je vous y répondrai volontiers. Merci à Tradin Shenzhen de m'avoir envoyé ce téléphone. Euh, sachez qu'il n'est plus disponible. Malheureusement, si vous voulez me l'acheter ou me l'échanger contre un autre téléphone, il n'est plus dispo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde et bye bye